Aïssé Sanap Gadila, Lirele Evans Rosemé, li âgé de 29 ans, la vive dans pays États-Unis, dans la coupe Pennsylvania. Evans te joue dans l'arrestation li, nan la police pour faux documents pendant le tap quitté l'État Pennsylvania. D'après rapport la police, Evans est dans l'aéroport Johnstown, Pennsylvania, pour te quitter l'État, pour te cal non yon lot. Nous connaît depuis notre voyage, faut que yon vérifie malet nous. Eh bien, c'est comme ça, sécurité dans l'aéroport là, t'es checké malet Evans là, yon t'est arrivé découvrir, yon passeport haïtien Evans te gen qui expiré, qui c'est pour lui, yon t'est continué fouiller malet là, yon t'est joué plusieurs faux documents, qui c'est social sécurité, résidence à qui yon faux ID sous nom Pierre Francis, qui fait JM 1977, qui gen photo Evans. Et autorité ont ajouté que te gen plusieurs l'autre faux document toujours, yo te décidé questionner Evans sous identité yo, li pas ka répondre parce qu'elle pas tande anglais ni parler. Evans est accompagné avec yon cousin li, cousin ont interprété pour sécurité porte là. Te ont prend empreinte Evans pour document yo, li pas match du tout ak sa te nan document yo. Yo te arrivé mette maintenant pas ka save Evans pour zak là. Les Evans arrivé dans tribunal là, cousin ont continué à interpréter pour lui. Côté cousin ont déclaré ak policier que plusieurs fois li te dit Evans j'étais document sa yo, mais li pat jete yo, li te kembe yo quand même nan malet li. Evans se deklare a policier yo ke se yon individu ki te propose ke li ka fel jwenn travail, et puis Evans se arrive achete document yo nan men, yo te fixe caution Evans à $15,000 américain, yo te vin redu li à environ $1,000. Après déclaration Evans se bay la, et nan prison ke Evans se ferme yon, te vin recevoir yon appel pour yo te la gel sans caution. Après toute investigation yo, yo te fini pa découvrir ke Evans se prend un coup pa comprendre, et li pa jam essaye utiliser document yon jou. Même essayer d'entrer social là pour chercher travail. C'est comme ça, tête chargée, bagay yon en pile. Ça veut dire, innocemment, haïtien prenant coup à comprendre, mais en pile nan nous ka pren chance, faire action sa yo. En pile fois nous pas connaît qui danger, qui conséquence nous ka joindre pi devant. On pral partager histoire ça avec nous. Sous même sujet ça, citoyen sa n'a pas gardé là, c'est un africain qui était entré sous visa dans l'année 1999. Africain vin la gen yon l'autre citoyen dans pauvreté, pas gen travail, victime nan ale pour yon pas révoquer. Cause des fautes Zak malhonnête africain ont fait avec identité victime nan. Et dernier chèque victime nan pral fè senti gen yon bagay ki pa normal, c'est révocation li nan ou ben à cause de mauvais background ak dossier child support qui pral tomber sous li sans qu'elle pas au courant. Et bien c'est comme ça, africain te habité nan même quartier à victime nan, yo vin zami, et bien africain volé identité victime nan, fait passeport, fait tout ça nous connaît, nous capable régler ak document nous nan pays site, et africain même marié sous identité victime nan, bil a vin jeune victime nan sans pas connait ki côté bill sa yo sorti, y après le nan téléphone pour payer sans pas connait en rien des actes sa yo. La police te même mette menan pat ka sa victime nan pour plusieurs actes malhonnête qu'elle pat même au courant de yo. Yo bonjour comme ça, victime nan tande femme ni te marié avec la balle child support, et li pa gen problème ça du tout. Li te décidé report ça, yo te mandé est-ce qu'elle gen l'autre monde qui kon utiliser identité ou bien volel. Victime nan te dit li pa fin kwe. Après un peu l'investigation, parce que victime nan te gen avocat qui t'a mené enquête pour lui, pour faux accusation li yo, qu'elle pas de connant rien de yo, yo te vin découvrir même identité victime nan, gen l'autre monde nan même quartier qui utilisé dans différentes adresses. Et à cause des background victime nan, qui pas bon pour vieux Zak malhonnête, yo te kon accusé innocemment, vin faire aucun travail, pas de vle prendre, et petit job li t'a balancé avec la qui c'était oubé, yo te arrivé révoquer. La police te fini par mettre maintenant pas de cassave africain, hein, et faire empreinte pour lui qui pas de match avec pas victime nan du tout. Actuellement, là, africain en prison pour Zak malhonnête sa yo, yo kembel sans caution et misé ka fait face en 17 à 25 ans prison. Nous pas connait comment dossier ça ka fini parce que misé gen pour passer devant juge 27 février 2024 là pour juge la ka décider avec africain en tout les cas tête chargé bagay yo en pile. Nous fait prudent avec identité nous n'a plagué bay moun pour régler affaire nous. En pile fois moun nan utilisé identité pour la go nan crédit nan bill. Nous fait prudent ak moun n'a bay gérer activité nous. Même si moun ka fait genre d'action ça yo toujours al fini dans prison, tête chargé bagay yon en pile problème pas fini. Si haïtien pat innocent, li tap nan prison jusqu'à maintenant, pas occupé personne ka propose nou faux documents pour nous ka travail pour nous régler cause nous nan pays ici. Pays ici, pas gen bagay comme ça. Et pays ici, c'est nan ka fou yo kwaze avou et yap kembo pou met wap utilize document yo yap kito ale jusqu'à se yo kwaze ensemble avou nan mitan 4 kafou. En tous les cas, problème pas fini, tête chargé bagay yon en pile. Nan premier team sa yo ki toujours là pour voye cadeau étoile by plateforme nan. Qui c'est? Teriel Telis, côté Jidel. Teriel Telis bataille, oui, li pou devant côté Jidel jodi a. Teriel Telis, côté Jidel, Fran Desuli, Sanvache, Bovesh Neide, Daniel Derisso, Wilfried Juice.
Avida Echendol, Dani Bossejou, Jai Baladin, merci Love Moyo pour cadeau avec étoile que nous toujours voyons par la plateforme. Nan. Et un merci général avec toute belle team de TV Moyo qui toujours là pour supporter le travail ça, qui toujours là pour aider le travail ça avancer pour pi devant, qui toujours là pour partager vidéo mieux à chaque fois que je poste. Moi voyez big up pour nous, moi remets nous en pile et ou même tout qui prend la peine de trouver sur la plateforme ça, qui c'est Blessy TV. N'a pas invité au vin jeune team ça, qui c'est team de TV parce que nous parlons de tout ça qui fait actualité. Abonnez à la page là, follow page là pour nous au courant de tout bagay pour ne pas rater un yin. Si m'de zi TV moi yo merci love moi yo t'es chargé tous les cas l'Africain pi mal va sa ici l'Africain yo djou m'gon moun moun la qui sot victime mon tonton mou qui sot victime mon bon africain la. Il fait le voyage photo dans le pini et puis il dit s'il va voyer tant la pas vidéo sur internet là il m'a dit 1500 dollars tonton va gagner 1500 dollars pour le dévoyer pour lui il a qui photo dans le pini sur internet là carrément africain aujourd'hui garçon tourne femme femme tourne garçon il fait tout bagaille. Il n'y a pas de déplodé, non? Qui n'a pas mangé, mesdames, de yon? A fou document, dit yon, qui est résidence. Ou qu'a marié avec yon. Il n'y a pas de mesdames, tout non? Même bagay là. Montre yon résidence, dit c'est résidence, yon kamer pour tout. C'est. Il n'y a pas de comprendre bah là. Mesdames, qui a ici, monsieur, qui a ici? Depuis nous avons 25 ans, nous ne pouvons pas rentrer dans le pays ici. Là. Nous sommes mariés en femme. Faut papier, faut résidence. Bon, non. Bon, quatre étals.